On ne n'aime pas quelqu'un par pensée objective. Ça ne marchera pas. Compléter la volonté de Dieu pour un mariage, pour une jeune fille qui veut se marier. Un, il y a la volonté générale de Dieu déjà dans la parole de Dieu. Donc, tu sais bien que tu ne dois pas te marier à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Et tu sais bien que ça va mettre la souffrance. Le sentiment ne peut pas résister devant les sentiments. Tu comprends? Donc, il y a d'abord la volonté générale de Dieu dans la parole de Dieu. Tu cherches ça. Quelle sorte d'homme à qui tu dois te marier? La plupart des filles, là, on dit on a la même pensée. Oui, on a les mêmes objectifs. Ça, c'est... On ne n'aime pas quelqu'un par pensée objective. Ça ne marchera pas. On a les mêmes goûts. Oui. Mais aujourd'hui, là... Tu es marié là, quel goût tu as maintenant? Maintenant tu es dégoûté. On ne se marie pas avec ces choses-là. On se marie d'abord sur la base de la parole de Dieu. Est-ce que le garçon là craint Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne veut pas te craindre? Oui ou non? Mes filles, là, est-ce que vous comprenez? C'est ça qui vous fait souffrir, là. Vous partez prendre quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Ok. S'il ne craint pas Dieu, il va te craindre. Premier élément, c'est ça, la crainte de Dieu. Deuxième élément, quelqu'un qui t'aime. Toi-même. Non pas tes diplômes. Non pas ta manière de t'habiller, non pas ta manière de marcher, non pas ton sourire, non pas ta manière de te peigner. Non, on ne se marie pas à sa manière de se peigner. 3 ans après, il devient chauve. Non, les filles, là, moi, je ne vous comprends pas. Hein? Je ne vous comprends pas. Après, vous allez découvrir un monstre dans votre lit. C'est un monstre qui est là maintenant. C'est un monstre qui est là. La crainte de Dieu, et il t'aime pour toi-même. Il t'aime pour toi-même. Que tu changes, tu ne changes pas, oh, il t'aime. Ah oui, mais comment j'étais marié là? Tu étais élancé comme ça. Maintenant, tu marches, pata, pata, pata. Il ne t'a pas marié pour toi-même. Il a marié ta forme. Et comme tu es déformé, tu ne vas pas t'aimer. C'est normal, non? C'est logique. Ou bien vous ne comprenez pas? Je vous dis ça, vous ne voulez pas comprendre. Oui, c'est la même chose. Avec la volonté générale de Dieu, la volonté révélée de Dieu, c'est la même chose. La plupart des choses sont déjà dans la Bible. Les compléments là, c'est ça qu'on cherche. Elles veulent s'attacher au caractère de l'homme. Les caractères naturels là évoluent. Selon les circonstances, quelqu'un qui était bien tout de suite là, il tombe dans un problème de dépression. Une fille, il y a maintenant une fille dépressive dans ta main, une femme dépressive. Ah, mais pourtant, avant tu riais. Ah, elle ne rit plus. Il y a des choses simples. Faut arrêter de vouloir vous marier et les mamans aussi, les mamans aussi. Ton gars là, il vient ici, il vient à pied là.
Maman est censée comme ça. Parce qu'il vient à pied, donc il n'a pas d'avenir. Son gars là à quoi même? Il a mal à soi, regardez. Et c'était qu'il a mené. Auto c'était. Mais l'autre qui est venu l'autre jour là, je l'ai vu avec 4x4. Et 4x4 de qui? Tu sais? Vous partez prendre vos filles, aller marier à des gens que vous ne savez pas d'où ça. Après maintenant, je vous dis ça. Vous ne voulez pas croire. Même au milieu de nous aussi, certaines des filles qu'on a mariées ici vivent cet enfer-là. On a oublié de les soutenir maintenant, de prier beaucoup. Donc, toute leur énergie va dans ça maintenant. Donc, elles n'ont plus de vie spirituelle. Jeûner et prier. Pour que l'homme la rende tôt. Jeûner et prier. Pour qu'il donne l'argent. Jeûner et prier. Jeûner et prier pour qu'un homme donne le nansongo. Non, garçon, vous aussi, vous êtes, c'est une honte, hein. Toi, un garçon comme ça, on croyait que tu étais un yo-man, tu es un diamant. Incapable de donner condiment à ta femme. Yo. Ouaba. Achille, j'espère que tu n'es pas dans ça. Ok. Très bien. Merci. Regardez. Yes. Donner un condiment à ta femme, il y a quel problème? Mais ça, même le païen l'a fait ça. Mon papa n'a même pas 200 francs. Mais le peu qu'il gagne, il donne à ma maman. Ah, tu maries quelqu'un, tu ne donnes pas condiment. Mais tu es méchant, quoi. Ça, c'est un homme méchant. Il n'est même pas converti. Si tu es ici là, tu es inconverti. Mets ton pied sur son pied, dit inconverti. Mets ton pied sur lui. Personne ne voit, appuie son pied. C'est de toi que le pasteur parle. Appuie. Vous voyez, frère? Tout ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui rend heureux les gens. Ça rend heureux les gens.